Eh bien, yo tout le monde, on se retrouve pour ce petit aparté entre nous pour juste vous informer que la DG Team arrive sur Star Citizen. On a officiellement ouvert notre corporation sur le site RSI. Donc, je vous donnerai tout dans la description de la vidéo. On recrute toutes sortes de personnes, d'accord? Débutants, anciens, vétérans, ce que vous voulez. Tous les débutants, on les prendra en charge pour leur expliquer de A à Z le jeu, pas par un simple tuto, par des partages d'écran et tout ce qui va avec. Ça les aidera beaucoup, beaucoup plus. Donc sur le site RSI, vous pourrez voir qu'on est en chasseur de primes et en contrebande. Donc ce n'est pas totalement faux, mais pas totalement vrai. C'est-à-dire qu'on va pas se limiter à deux activités, on va vraiment faire une globalité de nos activités. On va essayer d'avoir un peu le nez un peu partout. Et en plus, voilà, si on peut aider les nouveaux, que ce soit pour le farming, pour le minage, pour le salvage, on le fera aussi. Donc, dans la description, les amis, il y a le Discord et le site pour nous rejoindre sur JCR ici. Donc, voilà, n'hésitez pas à venir en masse. Et il y aura aussi mon code de parrainage pour tous ceux qui vont créer un compte. N'hésitez pas à nous soutenir et on espère faire une belle aventure sur Star Citizen. Voilà. Bonne vidéo à vous! Eh bien, yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, on va faire un truc un peu particulier qui est revenu dans certains commentaires. On va faire de la contrebande avec ce magnifique M2 Hercule. On va aller tout simplement dans un avant-poste, enfin dans un avant-poste, dans un laboratoire de drogue. Qui vendent de la drogue pour la revendre d'ailleurs pour se faire un petit bénéfice voire parfois un gros bénéfice selon le temps et les profits qu'on a à revendre. Donc ce qu'on va faire c'est que il y a plusieurs avant-postes de drogue, d'accord, il y a sur certaines planètes. Donc il y en a tellement que maintenant j'ai pas de sous publicité, il y en a partout sur toutes les planètes. Il y en a au moins, ouais, je pense 2-3 par planète. Donc, vous n'avez pas obligé d'aller à lui que je vous précisais là. Il y en a partout, vraiment. Et au pire des cas, je vous mettrai un site dans la description où vous verrez que vous pourrez voir où trouver les avant-postes qui revendent de la drogue. Donc là, moi, je suis sur Microtech à Nécropole. La Nécropole. Tac. Donc, c'est là où on va dire, entre guillemets, je viens pour vous montrer la vidéo parce que j'ai regardé juste avant sur le site. Où je pouvais ra rapidement trouver certains types de drogue. Et à vrai dire, j'étais juste à côté de Microtech. Donc je me suis dit que là, c'était l'emplacement idéal. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on se retrouve dès que nous sommes sur zone. À part si on n'est pas très loin. Normalement, on sera à 20 km. Donc on va faire, c'est qu'on se retrouve dès que j'ai atterri. A tout de suite. Tech, donc les amis, donc du coup nous sommes arrivés. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est un laboratoire qui est dans la montagne. Alors, juste comme par hasard, quand j'arrive, il y a une tempête, ça fait plaisir, hein. Tac. Là, faut faire gaffe, on se pose parce que. Le Hercule, je tiens à rappeler pour ceux qui ne savent pas, c'est une bouse. Tac. Donc moi, je vous fais juste voir où quelle drogue là par exemple il y a ici. Donc faire très attention. Hein. Là, je le fais tout seul, mais c'est pas la meilleure solution de le faire tout seul, hein, bien entendu, parce que il y a toujours des personnes qui veulent s'accaparer ce que vous avez acheté et pour ça, il y a plein de solutions et eux, ils ont bien l'envie de prendre votre cargaison et d'aller la revendre gratuitement. Donc, tac. Je descends jamais sans armes. De toute façon, c'est la base de tout. Tout avant-poste de drogue, peu importe où vous allez. Donc, hop, là. On voyait en plus un avant-poste assez bien caché hein, quand même. Hein. C'est. S'il n'y aurait pas la possibilité de jump dessus, je vais pas vous mentir que ça serait assez compliqué. Là, vous voyez là-bas, là, la lumière, ça c'est un F8 qui a été pété là. Il y a... Ou alors il s'est pété tout seul, je sais pas ce qu'il a fait, mais en tout cas,
Il fait partie de, des personnes, donc je sais pas s'il y a du monde là ou pas. Ok. On a vu, il y a personne. Donc voyons voir. Donc là, vous allez sur le panel, ce bon vieux panel. Vous choisissez votre Hercule. Donc vous voyez là, par exemple, il y a 9 Widow, donc il y a toujours le un certain bug avec... Allez, s'il vous plaît, voilà. Donc vous prenez 8, donc là ça fait 89 640. Donc moi ce que je vais faire c'est que... prendre une calculatrice à côté. Tac, donc là, hop. Donc là, on va prendre... 213 000. Tac. Donc là, on a pour 213 000. Tac. Donc là, en tout. Attendez, parce qu'il y a eu un problème. Donc on avait dit 89 000, on va dire. 1, 2, 3. Plus 213 000. Tac. Donc là, j'ai pour 300 000 de marchandises. Donc, ce qui est pas énorme, mais ce qu'on va faire, c'est que je vais remplir à fond. Moi, je, de mon côté, je vous dirai pour combien et qu'est-ce qu'il y a eu. Et puis on se retrouve à la revente. A tout de suite. Donc, les amis, vous allez... Alors, du coup, vous allez à Delvin, déchets de récupération de Delvin sur Euterp. Situé à Microtech. Donc là, il y a Serenity qui est avec moi. Je vais faire souvent des cuts pour savoir s'il a du monde ou pas. Mais on se retrouve devant le panneau pour vous dire si combien ça va coûter, combien ça va rapporter. A tout de suite. Donc, les amis. Donc, après vérification, Serenity, regardez. Il n'y a personne. C'est pour ça que je vous dis aussi, faites très attention quand vous faites ce genre de commerce, par exemple, illégaux. Le problème du commerce illégaux, c'est que là, un mec vient et peut vous taper ici, en fait. Il peut taper vous et votre marchandise. Donc, c'est pour ça, faites très attention. Je vais me faire bouffer par mon propre vaisseau. J'en ai marre. Oh putain de merde. Ah. Mon vaisseau il est éteint, il est... Oh non, sérieux. On va tourner parce que je sens que... What? Mais wesh! On va remonter vite. Là-haut. Allez! Oh, le serveur il est en PLS. Donc là, vous voyez bien, hein, déjà il y a un truc qu'il faut faire très attention. C'est pour ça que les Hercules, je les aime bien. Parce que dans la globalité, ils sont propres. Mais là, comme par exemple, vous venez de voir l'exemple parfait, typique du Hercule dans toute sa splendeur. C'est-à-dire, quand tu le poses, bah. Pas sûr de le retrouver en bon état, quoi. Donc là, c'est un sketch, hein. Regardez, douche, j'ai été là-bas. J'ai fini ici, hein, donc... un bon petit sketch, mais... bah, c'est les aléas, donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention. J'étais garé de l'autre côté, là-bas, et j'ai fini ici, donc bon... Bah... J'ai envie de dire que ça fait partie du jeu, même si c'est très emmerdant. Tac, on va se regarder. Du coup, je suis en clavier souris, donc c'est pas le top pour moi. On va essayer de se garer.
proprement, même si je sais que la tempête aide pas des masses, clavier souris, vu de l'extérieur. Ça m'embête un peu d'être garé comme une truie. On va faire des... S'il y a un développeur de SC qui passe par là, je vous en supplie. Arrêtez avec ces tempêtes. Ou alors réduisez-les. Donc là, on est d'accord qu'il bouge plus. Est-ce que le vaisseau d'ailleurs? Non, il a pris aucun dégât. Ouais. On n'a plus qu'à prier. On va essayer de Et là, imaginez, je serais descendu du vaisseau pendant que le vaisseau était en train de se faire l'aval. Imaginez juste ça, le délire que ça aurait pu être. Donc, j'en étais au fait, faites très attention quand vous êtes ici. Vous pouvez vous faire taper votre cargaison et vous faire taper vous aussi. Donc, faites attention, c'est pour ça aussi que là, j'ai demandé du coup à mes collègues qui viennent check un scred là rapidement. Parce qu'on sait jamais, hein, ils sont avares. Donc, ce qui leur intéresse, c'est le gagne-pain avant tout. Non, mais je t'ai demandé en bas. De ma gueule, hein, ce vaisseau. Donc, comme vous voyez, hein, j'ai pas beaucoup chargé. Hein. Y a pas BZF. Et en plus, je viens de voir que le serveur est vraiment en PLS. On va se dépêcher à les vendre. Pour éviter que ça bug. C'est le frérot. Donc, faisons les comptes. Si il n'a pas décollé, pour l'amour de Dieu, c'est bon, c'est parfait. Donc, pour la Widow, on va se faire 406 000. Donc, c'est pas énorme. Mais c'est déjà ça. Donc, je vous dis à peu près le bénéfice qu'on s'est fait à la fin de la revente. Donc là, nous sommes à 483. Tac. Donc on s'est pas fait beaucoup. On va faire beaucoup de bénéfices. C'est pas le meilleur bénéfice que vous aurez de tous les temps. Mais ça vous fait un. Et à savoir que j'avais que dalle là dans le vaisseau. Hein. Vraiment, j'avais rien du tout. Donc faut bien se dire qu'il était rempli à 10% le vaisseau. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment pas grand chose. Et du coup, nous avons un bénéfice d'un peu plus de 130 000, 130 000 AUC. Voilà, donc c'est pas, comme je l'ai dit, insane. Mais à savoir que moi, j'avais pas tout mon vaisseau chargé. Donc, c'est un petit façon de faire du commerce avec un peu plus d'adrénaline, bien entendu, parce que là. Là, c'est pas comme l'or ou le béryl, vous faites une route directe et c'est réglé. Non, là, il y a un petit peu plus de challenge. Donc, moi, c'est pour ça que j'aime bien aussi en faire. Et en soi, c'est assez rentable si vous avez une grosse cargaison. Là, j'ai une petite cargaison, donc en soi, c'est pas des plus rentables de fou. Ah, bah, pile poil, parfait. Donc, bah, écoutez, les amis, j'espère qu'en tout cas, cette vidéo sur le commerce illégal, la contrebande, vous aura plu, même si elle rapporte beaucoup moins qu'avant, malheureusement, c'est dommage. Mais là, c'est la vraie contrebande qui. Ne rapporte. Allez, ouvre-toi, s'il te plaît. Qui ne rapporte plus rien. Donc, c'est dommage, mais ça fait partie du jeu, on va dire. Et faut savoir kiffer malgré tout. Et moi, personnellement, je prends le bon côté. J'aime bien aller dans un endroit où il y a quasiment très peu de personnes qui connaissent ou alors qui viennent. Dessus et ça se trouve par contre on peut découvrir des petites pépites. Donc en tout cas j'espère que vous aurez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire. Et surtout à vous abonner. N'oubliez pas que vous êtes 80, maintenant 12% des personnes qui regardent mes vidéos à ne pas être abonnés. Donc si vous pouvez vous abonner s'il vous plaît, je vous en remercierai. Et pour moi ce sera un petit cadeau de Noël qui serait vraiment pas mauvais. Tac. Et sur ce.
Surtout, n'oubliez pas que la corpo recrute toujours. Pour toutes les personnes qui cherchent à rejoindre une corporation, ils en ont marre de jouer tout seul, ou alors qu'ils en ont marre tout simplement de ne pas connaître le jeu, d'avoir peur de se lancer, n'hésitez pas, on peut vous aider, rejoignez la corporation, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui rejoignent le Discord mais pas la corpo. Malheureusement, on aide un peu, mais on n'est pas non plus l'armée du salut, donc rejoignez-nous dans la corpo et on vous aidera comme on a aidé tous nos membres à l'heure actuelle de la corpo. Sur ce les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Tchuss.